Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droïd Tech et c'est parti pour la présentation de Deathcraft sur Nintendo Switch. Le jeu est actuellement pas disponible, il sortira que le 19 mai, mais on peut déjà voir le prix sur l'eShop, 24,99€ sur cette plateforme. À voir si sur les autres plateformes ça sera pareil, mais on verra. Du coup, classe d'âge PEGI 18, alors attention, au niveau des langues allemand, anglais, espagnol, français, et la taille du jeu fera environ 3,3 Go une fois installé sur la micro SD. Et donc là, c'est la version démo que j'ai prise sur l'eShop, on va la tester ensemble. Donc je pense faire plusieurs petits épisodes. Donc Deathcraft, c'est un survival game, et en gros, en fait, on est un mec qui a un problème, enfin qui a des... Ouais, il a un problème, hein, il est à moitié zombifié, et du coup, il va survivre. C'est ce que j'ai pu voir sur l'affiche. Donc on va le découvrir ensemble. Donc je rappelle, hein, le jeu, je viens de le télécharger, je viens de l'installer, et j'ai lancé le record. Donc c'est une découverte comme vous, tout de suite. Allez, c'est parti! In the year 20XX, a hail of meteors bombarded Earth. Flames and dust choked the planet, blocking out the sun and killing nearly all vegetation, reducing the world to a harsh, barren wasteland. But that was not the only disaster that awaited humanity. Hidden within the fallen meteors was a mysterious virus, which infected the dead and resurrected them as zombies, mindless creatures who would then turn and attack the living. Any who fell to them would become zombies themselves. And it wasn't long before the Ziv pandemic had spread across the globe. Decades passed. Humanity was on its last legs, with the new law of the land being survival at all costs. The planet had precious few resources left to sustain life, but humans remained, were at constant odds in a selfish bid to stay alive, leaving the weak to be crushed underfoot. You, Nebron. You won't get away with this. No matter what it takes, you're gonna pay.
Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le mec, il est à moitié homme, à moitié zombie, quoi. Hein, tranquille. Sinon, au niveau. Je ferais mieux de réimproviser avant d'y retourner. D'accord. Cet endroit a l'air abandonné, je pourrais m'y reposer. Nickel, ouais, c'est sa maison, quoi. Je me demande s'il y a des objets qui valent le coup là-dedans. Donc, je rappelle, hein, ceux qui arrivent là maintenant. Du coup, c'est la première fois que je lance le jeu. Je suis comme vous, je l'ai eu sur l'eShop. Donc là, avec A, c'est pas trop dur pour le moment. Bon, sans je meurs de faim, ce remords que j'ai ramassé, mercenaire, peut-être. Quand on est dans le besoin, on fait pas la fine bouche. Allez à table. Donc du coup, le gros problème, c'est que le jeu est annoncé en français, et là, du coup, j'ai de la VOSTFR. Donc, comme c'est la version démo, ok. Après, ce que je me dis, c'est que je préfère avoir une bonne VOSTFR plutôt, enfin, lire les sous-titres, plutôt que d'avoir un français tout moisi, quoi. Alors, on va voir un petit peu. Donc, moi, j'aime beaucoup. Enfin, au début, hein, l'intro et tout ça, c'était pas mal et tout ça. J'aime bien tout ce qui est. Enfin, toute la DA, là. Comment c'est fait et tout. Ça fait pas vrai de vrai. Là, je parle par exemple du bidon, tu vois. Un bidon comme ça, tu le trouveras pas. Ça fait un peu dessiné. Ça fait un peu encre de Chine. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, voilà. Donc, ça fait un peu. Pas cartoon, mais tu vois, au niveau des. Quand tu marches et tout. Je trouve ça pas mal. Donc, voilà. On verra dans le temps. Là, c'est qu'une démo. Je vais pas donner mon point de vue tout de suite. Donc, si j'appuie sur plus. Ok, donc là, on a un inventaire. Ok. J'ai un peu de. Ouais, c'est bizarre. Alors, je sais pas si c'est ma manette ou si c'est le jeu, j'en sais rien, mais j'ai un peu de mal avec dans l'inventaire à me déplacer. On verra. Donc, j'ai de la viande de rat avariée, un bois fragile, de l'aquacola, eau claire au vivifiante, de la boue. Ok, c'est de l'eau dégueulasse. Et de la bénédiction divine. Donc, après, j'ai ZL, ZR. Donc, là, pour l'instant, je peux pas tout avoir. Donc, on a les missions, on a les options, on a la carte. Ok, et c'est tout. Et B pour revenir. Au niveau des commandes, on a quoi? On a, ouais, un dodge, une esquive, quoi. Hop, et les autres, j'ai rien. Ok, donc pour l'instant je peux pas faire grand chose. Donc là il me dit manger la viande de rat variée. Super. Quel délice. Là je peux manger. Ok. D'accord, je mangeais. Berk. Merde, c'était pas frais, j'aurais dû le faire cuire. Ouais, bah, c'était pas mal. Ces jours je représente votre état. Si l'une d'elles tombe à zéro, vous vous évanouirez. Ok. Votre jauge de vin et de faim se vide avec le temps et vous utiliserez. Alors ça me fait super penser à Subnautica. Subnautica, tu bouffais un poisson pourri, paf, tu crevais. Enfin bref, dans le temps. Si tu fais pas attention à tes jauges et tout ça en fonction de ce que tu faisais, tu mourrais. Et là, ça a l'air d'être un peu le même gars. Donc ça veut dire un survival, ouais, enfin un game, voilà. À mon avis, il va falloir tout gérer. Ok, on peut manger ça, ça, ça. En mangeant, vous restaurez votre faim, en buvant votre soif et en dormant dans votre lit, votre énergie. Plus vos jauges de faim et de soif sont pleines, plus vous récupérez de santé et dormez. Ok. Au moins, j'en ai un semblant d'armes. Mais... D'accord. Donc là, on va voir pour la mettre. Super. Donc, je voulais faire les épisodes sur Twitch. Enfin, les épisodes, je voulais faire un épisode sur Twitch, un petit stream. Mais du coup, bah, c'était mort. Ok, là, il y a quoi? La sauvegarde. Donc, on peut sauvegarder. Nickel. Sauvegarder. J'ai vraiment du mal avec. De couper par l'alimentation. Ok. Se rendre dehors. Donc pour l'instant c'est super sympa au niveau de la maniabilité, pour le moment ça va. J'ai pas encore affronté de zombies et tout, on verra ce que ça donne. Au niveau graphisme, on est sur Switch, je l'ai pas pris ailleurs, voilà, mais j'ai pris sur Switch comme d'hab. Hein. Je préfère prendre la moins puissante, sinon j'aurais pris mon PC et puis voilà. Voir un peu ce que ça donnait, sachant que je suis en mode docké et que je joue sur un écran 4K, donc c'est un peu... Je trouve un moyen de revenir je suppose. Ouais, je vais pas vous faire la lecture tout le temps, mais... Après si vous voulez que je vous fasse la lecture, vous me le dites dans les commentaires, je vous ferai la lecture. Ok, donc là on récolte et on va certainement en avoir besoin. Donc là pour l'instant j'ai tout full. Par contre, le... là si on voit la barre d'énergie, dès que je fais un truc. Regarde là, je vais prendre ça. Hop, tu vois? Regarde bien les barres vertes là-haut, à côté de l'eau là. Hop, ça devient rouge. Dès que je fais un truc, tac tac tac. Ok. Donc là, ZR pour tout marteler. Ah. On dirait que je peux pas passer par là, mais là le passage est encombré. Voyons voir si la hache que j'ai est assez solide. Oh, c'est bon, j'ai déjà mise. Ouais, sans le savoir, je. Bon, d'accord. Attends. Ok. Alors, on a déjà réussi ça. Bon, sinon, ça a l'air d'être assez fluide là, au niveau de la prise en main. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup de boutons. Donc là, là je suis avec ZR. Hein. ZR et B, voilà. T'as 5 doigts sur la main, t'en as déjà 2 pris, mais c'est pas non plus la mort. Ça fait zizir. On va voir un peu. Donc je pense que je vais péter plusieurs épisodes au fur et à mesure, histoire de pas faire de trop longs épisodes qui vont saouler. Je suis sûr que le jeu sur d'autres plateformes y pète, c'est obligé. Même si c'est en version démo, il doit péter. Je dois retourner la ville, mais bon, paiera pour ce qu'il a fait. Ouais, je me doute, hein.
Ok, un nouvel équipement ferait pas mal non plus. Je crois qu'il y a un bidonville dans le coin, je vais commencer par là. Ok, donc là, au niveau de l'UHD, c'est pas mal. Ah, donc avec le joystick de gauche, je contrôle mon personnage. Et avec le joystick de droite, par contre, j'ai la caméra. Par contre, j'ai que la rotation, j'ai pas d'inclinaison. On verra. On va déjà aller buter lui, là. C'est bon. Ok, c'est l'air d'être de la bonne viande. Par contre, la viande avariée, c'est pas terrible. Et là, si je mange ça, il va se passer quoi? Ok, donc là-haut, là dans le cercle, là où il y a l'estomac, en fait, à côté du cœur, j'ai récupéré. Super. Hop. Ah non, mais viens par là, toi. Et merde. C'est la première fois qu'on est dans le coin. Si tu veux pas devenir un zivre, finis tout ce que t'as. Je n'ai aucun objet de valeur. À moins que ce soit les ordures qui vous branchent. C'est pour ça que vous avez un truc débile sur la tête. Ferme-la. Si tu te frottes au caqueteur, on va te refaire le portrait abruti. Tes affaires ou ta vie, tu choisis. Le mec, il a fait le slam, c'est obligé. Il a fait du slam. Soupir, d'accord. Ça me dérange pas de vous tuer. Ah, on va faire un petit battle. C'est qui se la pète, l'abruti? Viens pas chialer. Pour qu'on t'épargne après. Tête de gland, ce mec. Alors, du coup, enchaîne avec ZR pour faciliter vos attaques. Verrouille avec R, d'accord. Appuyez sur B pour faire des roulades et esquiver. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc avec R. Ouais, d'accord. Ouais, là, j'ai trop tard, par contre. Ok, donc hop. Viens par là, toi. Alors, tapez-vous entre vous. Il y a du bon sang. Voilà, là. Donc, il y a des attaques à faire. C'est pas mal. Ah, là, j'aurais pu esquiver. Ça aurait été pas mal. Ok, donc là j'ai récupéré ça. Oh non, j'ai pas eu le temps de m'amuser. Bon, les cacoteurs sont super chiants. C'est noté. Donc le mec il s'appelle Red. Du coup, ça va. Au niveau de la prise en main sur la battle, c'est assez simple. Pour le moment, les ennemis sont pas forts. Ça va. On récolte. Par contre, ouais, la barre d'énergie, t'as intérêt à tout calculer. Hein. Oh là là. Et même si tu manges, c'est pas ça qui est ça. Hein. À mon avis, ça va être un peu complexe à tout gérer. Je sais pas ce qu'il y a à prendre. Et dès que tu récoltes un truc, laisse tomber. Oh, c'est pas si loin quoi ça. Là. Et là, je sais pas. Alors, ça clignote, mais je sais pas si. Ok, ça servit à rien, mais peut-être que j'ai récupéré du bois. Ouais, j'ai récupéré du bois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La batterie, le minerai de fer, ok, la ferraille, bah, c'est pas mal ça. Bon, ça va servir avec le temps quoi, mais... Donc là, si je prends ça, je vais mourir. Donc je peux boire, mais ça me détruit la santé, ok. Mais faut savoir gérer quoi. Ouais, là, il y a un truc tout pourri, mais... Par contre, si je continue comme ça, je vais pas terminer le jeu... C'est impossible. Elle veut quoi elle? Je déteste vivre dans la peur de ces foutus zombies. Je jure que je franchirai ces murs un jour. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, dès que je fais une roulade, c'est pareil. Ah, écoutez ça, on verra bien. Alors t'as le choix, c'est soit tu butes un rat vivant et t'as de la bonne nourriture, mais tu perds en énergie. Ok, donc là, j'ai récupéré PS x30. D'accord. Bon, sinon, au niveau de l'UHD, c'est pas mal. Donc en haut, t'as l'estomac, c'est pour la faim. Le cœur, c'est ta vie. L'eau, c'est quand t'as soif. Et le truc vert, c'est l'énergie. Ok, ça t'as capté. T'as l'heure, donc à mon avis, on doit jouer avec le jour et la nuit. C'est pas mal aussi. T'as la date, tralala, il y a le soleil. Bon, après, t'as la petite carte en haut à droite. Donc là, tu peux faire un moins. Voilà, tu te situes à peu près où tu veux. Il y a plusieurs trucs à faire. T'as les zooms avec L et R. Voilà, si tu veux cibler, c'est pas mal. C'est un peu lent là, par contre, c'est un peu chiant. Mais bon, on n'oublie pas qu'on est sur une démo. Hein. Hey you, you ain't getting through. Go et toi, tu passes pas. Retourne d'où tu viens. Real welcoming, I see. Quel accueil. Allons, je ne suis qu'un pauvre vagabond à la recherche d'un repas.
Vous êtes sûr que je ne peux pas rentrer? Je m'en tape de qui tu es. Aucun étranger n'est autorisé à rentrer. Du balai. Yo, qu'est-ce qui se passe ici? Qui es-tu? Je suis un rappeur. Oh, a fresh face, huh? Oh, un nouveau visage. Tu essaies d'entrer dans la ville? Désolé, mais ce n'est pas parce que tu vas dire. Ça vous dérange pas? On va te répondre. Oh non, bien sûr. On t'ouvre tout de suite. Je ne comptais pas rester longtemps. J'ai des affaires importantes à régler en ville. Je m'en irai dès que je serai refait. Mais d'ici là, j'aurai besoin d'avoir un accès au bidonville. Tiens donc. Je suis sûr que tu as des raisons. Mais j'ai bien peur qu'on ne puisse pas laisser n'importe qui entrer, vu le monde dans lequel on vit. Tu me comprends, pas vrai? Pas même un chasseur de zombies? Si tu me laisses entrer, je ferai en sorte de me rendre utile. Chasseur de zombies, hein? Ça change tout. Bon. Et si tu me rendais un petit service? Un des habitants est parti faire une course hors de la ville. Il n'est pas encore rentré. Tu penses que tu pourrais le trouver et l'aider à rentrer? On l'appelle Papy Zombie. C'est un chercheur. Il est original. Tu peux pas le louper. Prouve ta valeur en tant que chasseur de zombies. Et cette ville t'accueillera à bras ouverts si tu le désires. À toi de voir si tu décides de nous aider ou non. Ouais, ouais. Je compris. Disons que c'est un contrat comme un autre. Ah, ravi de l'entendre dire. Je m'appelle Vernon. Disons que les gens du coin s'en réfèrent à moi la plupart du temps. Comment tu t'appelles, l'ami? Appelle-moi Reed. Je suis ici pour une mission. Ça roule. Je compte sur toi. Oh, tu as dit que tu avais faim, non? Tiens, c'est moi qui t'offre. C'est bon, on est refait, là. On a une mission. Bon, on va se laisser là pour le premier épisode. Ouais, ça fait environ 15-20 minutes qu'on est ensemble. Je sais pas du tout, on verra le timing quand j'aurai mis la vidéo sur YouTube. Donc, premier épisode de Deathcraft. Donc, moi, là, pour le début, c'est pas mal. Hein. Petite intrigue sympathique. Le jeu, bonne prise en main pour le moment. On va voir un peu ce que ça donne dans les prochains épisodes. Voilà, je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.